Bonjour les gens, c'est Mister Noz et je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour vous présenter un jeu gratuit, tout petit, tout mignon. Il s'agit d'Apothéon Arena. Alors, issu forcément du jeu Apothéon que vous trouvez à moins de 5€ sur Steam, je crois que c'est 3,74€ de mémoire. Et il existe une DLC qui est à moins de 8€. Alors, Apothéon, en général, c'est un jeu de plateforme qui tourne autour de la mythologie, de la mythologie gréco-romaine. C'est extraordinaire, vous allez voir, c'est très fluide, c'est très sympa. Si vous aimez ce jeu-là, parce que ce jeu-là, il est gratuit, ben vous pourriez peut-être être intéressé par Apothéon. C'est une bonne pub. On va se faire le tutoriel, on va se le faire, il va loading. Et puis je vais vous expliquer comment c'est que ça marche, vous allez voir, c'est assez sympa. Très très dynamique. Si vous avez aimé Brawlhalla, vous aimerez peut-être Apothéon. Si vous n'avez peut-être pas aimé Brawlhalla, vous aimerez peut-être Apothéon. Et si vous n'avez peut-être pas aimé Brawlhalla, vous aimerez peut-être pas Apothéon. Voilà. Donc tous les goûts sont dans la nature. Alors attention, attention, votre clavier il est en QWERTY. Alors c'est nous, ça nous arrange pas. Qu'est-ce qu'on fait les amis? Si vous avez bien suivi jusque là, si vous avez vu l'ensemble de mes vidéos, je rigole, c'est pas possible. Vous appuyez sur Maj. Hop, et sur Alt, hop, et comme ça, on passe du clavier QWERTY au clavier AZERTY. Alors, je vais récupérer mon bouclier en appuyant sur la touche A qui avant était la touche Q. Donc, WSD, c'est pas vrai, c'est ZQSD pour nous, hein, européens. Avec la barre d'espace, on saute, il y a des cadavres partout, on se croirait à Pompéi. Ce qui est possible, j'ai pas lu le synopsis. Et on progresse. Alors regardez, je peux pas avancer, il y a un mur. Alors je me baisse, j'appuie sur la barre d'espace et j'avance. Et là je saute et puis normalement, hop, je devrais pouvoir m'accrocher. Je dois pouvoir m'accrocher. Alors pour taper, c'est clic gauche. Pour me protéger, c'est clic droit. Mais vous allez voir, il y a des armes à disposition. Il y a d'autres boucliers à disposition. Et ça change la donne. Et vous avez des armes courtes, vous avez des armes longues et vous avez des armes à projectiles. Mais vous pouvez aussi projeter vos armes de main. Alors est-ce que j'y arrive? En appuyant sur le clic molette. Oh merde. Oh, découpe-toi. Hop. Oh, je vais me faire défoncer. Allez, on va le finir au point. À moins qu'avec la touche E, je puisse récupérer non, mon épée, mais pas encore. Hop. Bon, j'ai fait la bêtise. Hein. Oui, c'est vrai, j'ai fait les bêtises. Oh, j'ai ramassé deux trucs là. Alors. Non, j'en ai qu'un. Hein. Bon, voilà, c'est ça où j'ai les points. Hop. On progresse, le tutoriel, le mec il arrive à louper le tutoriel. Bah dis donc bonhomme, t'as l'air de t'accrocher à quelque chose. Hop, là on peut interagir, on peut faire virer ça ou pas? Ah, on va se protéger derrière le char, ça doit pas marcher. Deux shields, on l'a vu, agent Coulson, c'est parti. Toi tu mets 15 ans et demi à me taper dessus, vous voyez sa jauge de vie hein, en bas du personnage, à chaque fois que je le frappe en fait. Voilà, la mienne est en dessous, il me reste 80%, enfin il me reste 80 points de vie. Il est un peu gore. Avec la touche E, j'interagis pour saisir les armes. Très très bien. Et là, il me parlait d'un arc, mais j'ai jamais vu l'arc, moi. Hop. J'avais trouvé des flèches. Et c'est sans doute parce qu'il y a des gros méchants après, là, qui me tirent dessus. Alors, là, j'ai de la longe. Et vous voyez, si j'appuie sur la touche 2, j'ai des armes de G. Normalement, ça devrait être gérable. Voilà, voilà. Wow, oh, comment il m'a propulsé au fin fond de l'univers. Et je peux récupérer ma javeline. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Attendez, je récupère mon épée parce que je suis plus à l'aise avec mon épée. J'ai rien à lui piquer. J'ai rien à lui piquer. Allez, hop. Alors là, normalement, il y a deux gaillards. J'adore les effets des flammes, là, comme ça. Et hop. Tu me tapes une fois. Il y a du recul, hein, quand même. Hein. Même s'il m'a pas fait de dégâts sur ce coup-là. Enfin, j'ai pas trop fait gaffe. Voilà, on peut jouer avec l'environnement, vous voyez, ils ont l'avantage, ils ont la hauteur. Hop, voilà, enfin, ils ont pas eu l'avantage. Longtemps, voilà. Dittany of Crete, je sais pas du tout ce que c'est, mais je le prends, vous voyez, c'est un petit objet qui apparaît au centre. Et normalement, on a fini le tutoriel, hein. Non, si, oui, si. Alors, finish tutoriel, vous voyez. Rien de compliqué, mais l'univers est vraiment charmant. J'aime beaucoup les couleurs. Et ça me fait penser à un vieux jeu, ça. Il me semble que c'était sur Amiga. Et je me souviens plus le nom. C'était comme ça, le personnage était noir, comme ça, en 2D. On devait sauter par-dessus des trous, et par-dessus des javelines qu'on nous lançait. C'était aussi gréco-romain, et j'ai oublié le nom. Je l'ai dans la tête, quelque part. Je sais qu'il est rangé.
Bah, si vous retrouvez ça, bah, écrivez-le-moi en commentaire parce que ça rendra service. Alors, et bah voilà, fini ce tutoriel. Alors, on va essayer. Ah, ma voix. On va essayer en ligne. Alors, join. Alors, voyez, ah, une multitude de serveurs, ce serait bien qu'il n'y ait pas un gros truc oublié. Alors, Australie, Belgique, Chine, Finlande, France, on va prendre, voilà, un serveur français, tant qu'à faire, on double-clique. Join game, oh là, il y a du monde. Eh ben, oh là, oh, ça se fight. Voilà, oh, attendez, meuf là, builder, on va prendre ça. Oh, 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 c'est drôle. Oh, c'est drôle. Allez, viens là. Hop. Oh, il est furieux, lui. Il est furieux, faut l'avoir de près. Voilà. Alors attendez, je peux pas courir. Il y a eu un petit lag ou quoi? Alors, il y a quelqu'un qui lève de game. Alors attention, mais si je peux courir, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai pas pris d'arme et qu'il m'en faudrait une. Donc on casse certains objets. Je crois que ça me pète à la figure. Oh feu! J'ai faim! Ah mais c'est... Les interactions avec l'environnement sont franchement sympas. Alors ça, je me casse la figure, je suppose. Ah non, j'arrive à sauter. Terminadorus. Ah, d'accord. Attends, on va lancer des cailloux. Ok, je récupère automatiquement mon épée. Est-ce que je peux monter là? Non, je peux pas. Faut que je fasse le tour. Ici, j'ai une échelle. Vous avez vu? Ici, j'ai une échelle. Alors attends, vas-y, mais saute. Voilà. Je vois un râtelier d'armes. Doru. Hop. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai un plus grand bouclier, j'ai l'impression, non? Doru. Alors je dois. Ça doit être une lance? Non? Ah bah non, c'est une masse. Ah ouais. Alors attends, vas-y, je vais prendre ça. Ah, ah d'accord, ça revient, ça se réinitialise souvent. Ok, le mont Doru. Ok. Oh, c'est space, j'adore. Bah saute toi, grimpe, fais quelque chose. Je crois que j'ai pas d'armes dans les mains. Ah mais je peux les changer au même temps que je grimpe. Wood club, ok. Bâton bois quoi, Toru. Ok, ah ok, je peux récupérer. Je peux récupérer de la vie en tapant dans les jarres. Oh c'est bien. Une petite hachette. On prend toutes les armes. Apparemment je suis pas limité en quantité, hein, voyez. C'est assez sympa. Ouais, j'irai me battre plus tard. Ouais. Oh là, ça me donne des pouvoirs, ça. Il s'est passé quoi? Ah, il se passe des trucs. Il y a des choses que j'ai pas bien vues. Oh, j'ai dû récupérer de la vie, une bêtise en genre là. Et là, il y a quoi? Un Sarissa. Mince, c'est pas Z, c'est Iron Club. Ok, d'accord. C'est sympa, ça. Heroic Ziforum. Attends, on regarde les armes. Attends, on regarde les armes. Et où le héroïque machin? Excellent. Excellent. Il y en a, il y a des petites étoiles et tout dessus. Oh oui, bah ça, il y a de la longe. Voilà, ils sont où les méchants? Enfin, les autres joueurs. Hop, on va voir. On va descendre. Javelin. Oh, j'entends qu'il y a du bruit. C'est bien. Parce que j'entends vraiment qu'il y a du bruit. Hop, j'ai récupéré de la vie, je sais pas comment. Alors lui, je vais le garder à distance. Voilà, ils ont des pouvoirs ou quoi? Ah mais je m'en suis pris plein mon fût et j'ai pas compris. Excellent. Ouais, il faut se familiariser, hein. Moi j'y ai joué quoi, 5 minutes, 10 minutes. Oh mais il est sympathique, ok d'accord. Est-ce qu'on peut aller par là? Builder, ok, on peut leur balancer des grosses caillasses sur le coin de la tronche. Euro, oh bah voilà. Ok, Euro. Donc ça c'est la touche 2. Oh, mais oui, oh là j'ai appuyé. Oh non. Le smash. Oh bah non. Attends, j'ai appuyé sur une touche là qu'il fallait pas ou quoi? Non mais laisse-moi tranquille. Ok, c'est fini ou quoi? J'ai pas eu le temps d'utiliser mon arc. J'aimerais bien me débarrasser de ça, attends. Back. Alors comment je fais pour me débarrasser? J'ai dû faire apparaître une interface là. Je sais pas comment m'en débarrasser. Mince. C'est pratique. Deathmatch. Bon bah d'accord.
Mais vous êtes mignons là, les gens. Comment on fait pour se débarrasser de ce truc là? Comment on fait? Alors, comment on fait? C'est pas ça, c'est pas ça. J'ai dû appuyer sur une touche pas loin. Ah bah, c'est pas ça. Ça, c'est le chat. Ça, c'est la map. Voilà, voilà, c'était vers. Voilà, bah, vous le saurez. C'était Caplock. Ah, tu m'étonnes. Oh, regardez, j'ai une torche. Plus 5, plus 10, plus 60. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a plein de trucs que je comprends pas. Ah, c'est génial. Voilà. Voilà. Mince. J'ai jamais dit que j'étais doué, hein. Ah, mais c'est bien. Il est bien, ce jeu. Il est bien, ce jeu. Il est bien. Oh, oh, j'ai un plus grand bouclier. Ouais. Doru. Doru. 5 and thing arrow. Ah, voilà, c'est ça. Alors, voilà, j'appuie sur 2. Ah, j'ai un arc. On va tirer au pire. J'aime bien les petits effets aussi d'animation. Allez, 5. On va voir. Ils doivent être plus bas, hein, les adversaires. Voilà, viens là, viens là, viens là. Voilà. Voilà. Allez, saute les mecs. Je vais peut-être en tuer un. Allez, fuis, fuis. Saleté. Saleté. Ah ouais, ok, d'accord. C'est ici qu'on récupère de la vie. Oh, il a déco. Sans déconner. Sans déconner. Sympa. Franchement sympa. Ce jeu est franchement sympa. Qu'est-ce que ça? Des javelines. Très bien. Ah, je m'éclate là. Vous voyez, je découvre le jeu, je m'éclate. Hop. Et l'arc, on va le récupérer aussi. Hop, tant qu'à faire. Il n'y a pas de raison. C'est bien l'arc. On va le récupérer, tiens. Ah, ça, c'est des javelines. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des gens. Blast. Bot qui l'aide. Ah, mais de toute façon, il y a des bots. Oui, tu m'étonnes, sinon tu joues tout seul, c'est pas drôle. Allez, hop. Ils sont où les méchants? Ils sont où les méchants? Y'a plus personne. J'entends des bruits de combat. Alors qu'est-ce qu'on fait ça? Oh ma mince, mais tire pas avec ça toi. Mais j'ai dit non. Hein? On va peut-être pouvoir récupérer à moins que je puisse le prendre. Ouais. D'accord, ok, sympathique. Très très bien ça, très très bien les amis. Des hachettes, on va prendre toutes les armes. Alors, une masse en bronze. Faudrait que j'appuie sur mon... Faudrait que je parvienne à remonter, tiens, par exemple ici. J'ai l'impression que je suis tout seul. Ils ont filé moi un bot quoi. Ah mais attendez, ça grimpe là aussi. Ah mais attendez, ça se trouve ça se passe plus haut. Les combats. Est-ce qu'il y a du monde par là? Oh, Iron Club. Hop. C'est ça. Alors, j'ai eu une petite indication. Steam, là. J'ai pas eu le temps de voir. Bon, bah, il n'y a plus personne, là. Je suis en train de jouer tout seul. Bref. Bon, bah, faut jouer, mais avec des copains. Hein. Parce que sinon, vous voyez, tu t'ennuies. Il ne va pas me refiler un bot. Et je crois que je suis resté. En fait, ça va être la fin, je suis premier. Et je suis resté dans le tableau. Bref, on quitte. Oui, bah oui, il n'y a plus personne pour taper. C'est pas grave, ils ont dû dire il est trop nul le mec, on se casse, on va jouer entre nous ensemble ailleurs. Bref, entre nous ensemble, oui. Bien sûr, c'est un pléonasme. Alors, les amis, c'était Apotheon Arena. En espérant que ça vous ait plu, de toute façon il est gratuit, donc si ça vous plaît pas, bah rien ne vous oblige à y jouer quoi. Si vous êtes curieux, téléchargez-le, si finalement il vous satisfait pas, effacez-le. Mais ça se trouve, ça va vous intriguer, ça va vous intéresser, et ce sera formidable. Hein, en attendant, moi je vous fais des bisous, et je vous dis à très 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 bientôt dans votre futur. Allez, ciao ciao, bye!